Le meurtre de l'abbé Saunière. Avant que je me mette à fouiller ce logement, dites-moi comment vous avez su que ces documents se trouvaient chez moi Saunière commença par fouiller le bureau, ouvrit les tiroirs, les vida, chercha un double fond éventuel, tira le meuble au cas où une cache eût été aménagée à l'arrière, sans résultat. Il continua par la table, Sortit son tiroir, en vain. Il fouilla le vêtement cérémoniel, celui que Lovecraft devait revêtir pour repérer sa magie. Il poursuivit par le placard, qui ne contenait que de la vaisselle, des couverts et quelques provisions de bouche. Aucune cache secrète non plus. Dans l'évier, il n'y avait qu'une bassine en fer émaillé et un pichet en porcelaine. Pendant ce temps, la température s'étant sensiblement abaissée, à la demande de l'abbé, Asmodée attisa les braises, ajoutant quelques bûches qu'il prit dans le tas de bois empilé dans un grand panier en osier placé contre la cheminée. Lovecraft lui demanda, sur un ton plaintif, de ne pas trop raviver le feu, prétextant craindre la chaleur. Snier demanda pourtant au nain de raviver le feu, tant la froidure s'était installée, faute d'un feu digne de ce nom, dans la cheminée. Voyant que Lovecraft s'agitait à la seule pensée d'une élévation de la température, l'abbé se demanda pourquoi cela le contrariait à ce point. Soudain, il eut un éclair de lucidité. Asmodée, écarte les braises. Ordonna-t-il, enlève les bûches qui ne sont pas encore enflammées. Vois si tu peux retirer la plaque décorative en fonte derrière le foyer. Je suis sûr que le dossier doit être caché derrière. Ah, c'était bien trouvé! Planquer des papiers dans un âtre, il fallait oser! En effet, lorsqu'Asmodée eut retiré la plaque de cheminée, il découvrit derrière elle une niche aménagée dans l'épaisseur des briques réfractaires, niche qui contenait deux petites caisses métalliques. À l'intérieur, protégée du feu par une épaisse couche d'un matériau dont on devinait le pouvoir ignifugeant, se trouvait dans l'une le grand portefeuille en cuir du dossier Polypus, avec la moitié des documents, et dans l'autre caisse, le reste des archives. Ainsi le dossier était complet, ce dont s'assura l'abbé, divisé en deux parties, comme l'avait annoncé Lovecraft, qui avait seulement menti en affirmant l'avoir placé dans un coffre de banque. La crainte de l'Américain, lorsque le nain ravivait le feu, s'expliquait, car même si le dossier était abrité des flammes par la couche isolante qui l'entourait, une chaleur trop ardente risquait malgré tout d'endommager son contenu. Howard Phillips Lovecraft était anéanti, et il eût certainement chu d'affliction s'il n'avait pas déjà été jeté tout ficelé sur le lit. Retrouvant un sursaut d'énergie, il se mit alors à brailler, criant au voleur, à l'assassin. Faut le faire taire, s'exclama Asmodée, « sinon il va ameter tout l'immeuble, et qui sait tout le quartier. Il faut lui clouer le bec, et pour de bon. Maître, assommez-le avec un tisonnier, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Non, pas le tisonnier, pas le tisonnier, répétait l'abbé, pas le tisonnier. Tout, mais pas ça. Il jeta un regard circulaire dans la pièce. Avisant alors la cordelette de soie rouge du vêtement cérémoniel, il s'en saisit et la passa autour du cou de Lovecraft qui criait toujours. En faisant une boucle qu'il serra de plus en plus fort. Il lui intima l'ordre de se taire, faute de quoi il serrerait davantage. Lovecraft suffoquait, mais tentait toujours de vociférer. Allez-y, maître criait Asmode. Achevez-le Réglez-lui son compte. Le prêtre luttait contre ces vieux démons, contre ce plaisir qu'il éprouvait à ôter la vie. Une bouffée d'adrénaline l'envahit. Alors, dans un état second, il tira encore plus fort sur la corde, à tel point que l'Américain finit par succomber. Howard Phillips Lovecraft était mort, il n'y avait plus rien à faire. Saunière avait récupéré le dossier Polypus, tout en empêchant définitivement que Lovecraft pût réaliser à nouveau le rituel de l'octopode, mais à quel prix? Le prix d'une vie humaine. Et l'abbé réalisa alors toute l'horreur de l'acte qu'il venait de commettre. Mon Dieu. Pourrez-vous me pardonner d'avoir mis fin à l'une des existences que vous avez créées Le prêtre se lamentait, réalisant avec effroi qu'il avait dû, une nouvelle fois, tuer pour arriver à ses fins. Pourquoi tant de violence en moi se disait-il. Mon Dieu, pourquoi tant de crimes commis en votre nom Asmodée, lui, restait réaliste. Et plus pragmatique. D'une voix doucereuse, il susurait ses conseils à l'abbé Maître, nous ne pouvons pas laisser cet homme ici, dans son logement. Vous pensez bien que le corps finira par être découvert un jour ou l'autre alors on comprendra qu'il y a eu meurtre il y aura une enquête. Il vaudrait mieux faire croire à un accident, ou mieux, à un suicide. Vous l'avez étranglé, nous n'avons plus qu'à le pendre et le tour sera joué. Le pendre, mais où et avec quoi Tout à l'heure en venant d'ici, j'ai aperçu un rouleau de bonne corde sous le porche de l'usine à côté. Je vais aller la chercher. Pendant ce temps, remettez un peu d'ordre ici. Nous transporterons le corps jusqu'au pont qui n'est qu'à deux pas, et nous le pendrons à la rambarde au-dessus de la Tamise. À cette heure-ci, et avec le froid, le brouillard, il n'y a plus personne dans les rues. Ce sera facile, tout le monde pensera à un suicide. Ce Lovecraft était si étrange que cela n'étonnera personne. Nous pourrons rentrer en France en toute sérénité. Incapable de réfléchir, l'esprit complètement vide, la baissonnière souscrivit à ce plan machiavélique. Asmodée et lui ôtèrent les liens de Lovecraft, ils le vêtirent d'une veste et d'un pardessus trouvés dans l'armoire, en prenant bien soin de vérifier qu'aucun papier d'identité ne se trouvait dans un de ses vêtements. Ils roulèrent le corps dans une couverture et l'emportèrent jusqu'au pont sur la Tamise. Il n'y avait effectivement pas un qui vive dans les rues de Londres, ni sur le Blackfriars' Bridge. C'était un pont moderne, métallique, qui venait juste d'être considérablement élargi, après avoir remplacé en 1869 le pont primitif en pierre de Portland, construit en 1769. Asmodée, toujours lui, eut l'idée de pendre le corps au-dessus de l'arche la plus proche de la rive nord de la Tamise, du côté White Chapel il émit un raisonnement en apparence imparable même si quelqu'un reconnaît lovecraft comme il nourrissait une passion morbide envers jacques l'éventreur on pensera que déprimé par toutes les horreurs qu'il avait découvertes il a mis fin à ses jours en se pendant au plus près du district dans lequel le tueur avait sévi c'est encore asmodée qui fit un noeud coulant à l'une des extrémités de la corde qu'il avait récupérée et qui passa la boucle autour du cou de Lovecraft. Puis il fixa solidement l'autre extrémité à la rambarde, servant de garde-fou. Mais comme il était trop petit pour faire basculer le corps par-dessus la barrière, c'est la baissonnière qui s'en chargea. Il y eut un bruit sourd, la corde se tendit et le corps commença à se balancer au gré du vent. Le nain demanda au prêtre de s'éloigner un peu, lui disant qu'il avait encore une besogne à accomplir et qu'il le rattraperait rapidement. L'abbé lui obéit sans réfléchir et sans se demander quel genre de tâche supplémentaire Asmodée pouvait bien avoir à effectuer. Lorsqu'il fut suffisamment loin, le nain sortit un couteau de sa poche et s'entailla le bout de l'index gauche. Puis avec ce doigt sanguinolent, il traça des signes mystérieux sur la main courante de la rambarde, en prononçant ces paroles étranges. Ô oh, Sept, grand Dieu de l'Égypte, daigne pencher ta tête d'âne sur ce pont. Par ta magie, je réclame que ta malédiction s'abatte sur lui, ici et maintenant. Partout et toujours, pour les siècles et les siècles à venir. Les signes de sang qu'il avait dessinés s'évaporèrent comme s'ils avaient été tracés avec de l'eau, signe que la prière avait été exaucée. Le pont était désormais maudit. Satisfait, Asmodée rejoignit l'abbé et tous deux s'enfoncèrent dans la nuit et le brouillard. Au loin, Big Ben égrenait les douze coups de minuit. C'est un batelier de la Tamise qui, à l'aube du mercredi 17 janvier 1912, découvrit le corps pendu sous le Black Friars Bridge. Apercevant deux policemen faisant une ronde sur les quais, il accosta et alla les prévenir. Les deux Bobbies, Venus tout droit du district voisin de Whitechapel, montèrent sur le pont pour pouvoir s'approcher du pendu. L'homme ne bougeait plus et son visage émacié était cramoisi. Le décès ne faisait aucun doute. Mais les policemen se demandèrent comment l'individu, qui paraissait petit et d'assez faible constitution, avait fait pour enjamber tout seul le garde-fou. En réalité, rien n'indiquait de manière absolue que ce fût un suicide. Pas d'autre solution, fit l'un des deux policemen. Dans le doute, nous devons alerter Scotland Yard. Pendant que son collègue retournait à son quartier général pour téléphoner, le premier resta près du pendu afin d'empêcher les passants de s'en approcher. Un moment plus tard, Arriva l'inspecteur Edward Arbeline de Scotland Yard qui fit remonter le corps sur le trottoir du pont. L'un des deux Bobbies, qui avait reconnu, dit à l'autre, C'est le fils de Frédéric Arbeline, l'inspecteur en chef qui enquêta en 1888 sur les crimes commis par Jacques l'Éventreur. C'est bien le digne fils de son père, un fin limier. Il ne lâchera pas l'affaire avant de l'avoir résolu. L'inspecteur fouilla les vêtements du mort et n'y découvrit aucun papier permettant d'identifier l'homme. Puis il le débarrassa de la corde avec laquelle il s'était pendu. Mais en examinant plus attentivement le cou de la victime, le policier s'aperçut que des fibres rouges étaient encore incrustées dans la peau, dessinant un fin sillon carminé sous la trace plus large laissée par la corde lors de la pendaison. Or cette corde-là était en chanvre, d'une couleur naturelle. Il parut évident que l'homme n'était pas mort par pendaison, mais plutôt par strangulation, opérée à l'aide d'une cordelette de couleur rouge, et de ce fait, il s'agissait d'un crime déguisé en suicide. L'enquête de Scotland Yard fut assez rapide. Le pendu n'avait aucun papier d'identité, mais il portait une veste venant de chez Jeeves House, le plus ancien et l'un des meilleurs couturiers londoniens, tenant boutique au numéro 1 de Seville Row, la rue célèbre pour ses nombreux tailleurs, où planait encore le souvenir de Sherry Down. L'inspecteur Edward Oberlin se rendit dans ce magasin et y présenta le vêtement. L'employé stylé qui le reçut reconnut parfaitement la veste, qui appartenait en fait à un costume trois pièces, et comme la maison apposait sur chacune de ses créations un système de numérotation particulier, il sut que le dit costume avait été confectionné sur mesure pour un dénommé Howard Phillips Lovecraft, résidant au numéro 16 de Barge House Street. On alla à son logement pour découvrir que sa porte avait été forcée. En outre, lors de la perquisition, les policiers repérèrent facilement la cordelette rouge servant de ceinture aux vêtements assortis, encore posée sur une chaise, et ils en conclurent qu'il s'agissait là de l'arme du crime. La technique des empreintes digitales n'en était encore qu'à ses premiers balbutiements. Et si cette innovation française était déjà appliquée, depuis peu de temps en Angleterre, les empreintes qui furent relevées ne permirent pas d'identifier un suspect. L'autopsie réalisée le lendemain confirma que Lovecraft avait bien été étranglé à l'aide de cette cordelette. En outre, on découvrit des traces de liens au niveau des poignets et des chevilles de l'homme, qui avait dû être ligoté avant d'être étranglé. Le vol n'était pas le mobile du crime, une somme d'argent conséquente ayant été découverte dans le logement. L'enquête de voisinage révéla que le mardi 16 janvier, Lovecraft avait dîné dans la taverne du Thirsty Bear, toute proche, et que ce soir-là étaient également présents deux inconnus, un homme d'une haute stature, âgé de cinquante ou soixante ans, qui avait quitté les lieux tout de suite après Lovecraft, accompagné d'un nain boiteux roux vêtu de vert. Un tel duo ne passant pas inaperçu, il eût été relativement facile, en questionnant les habitants du quartier, les tenanciers des hôtels proches, les employés des gares, etc., d'en retrouver la trace pour le débusquer. Cette recherche, L'inspecteur de Scotland Yard l'entreprit, mais devant son caractère fastidieux, il baissa les bras rapidement. Il conclut qu'il s'agissait certainement d'étrangers ayant déjà quitté le sol britannique. Il ne chercha pas plus loin, et l'affaire fut classée. Edward Abeline n'était sans doute pas aussi opiniâtre que ce qu'avait annoncé son collègue policeman. On n'est pas toujours le digne fils de son père. À moins que la malédiction désormais attachée au Blackfriars Bridge n'eût altéré ses capacités d'enquêteur. Dès qu'il eut connaissance de ce fait divers, le journaliste Harry Lincoln du London Chronicle rédigea un article intitulé L'énigme interdite qui parut dans l'édition du soir de ce 17 janvier 1912. Lincoln s'intéressa à la victime et découvrit qu'il s'agissait de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, né en 1890 à Providence, dans le Rhode Island, ayant déjà publié un recueil de poésie et quelques nouvelles fantastiques. Installé depuis quelques mois en Grande-Bretagne, il poursuivait des recherches sur le célèbre Jacques Léventreux. Le tueur de prostituées avait-il décidé de se débarrasser de ce gêneur, 24 ans après avoir entaché de ses crimes le district de Whitechapel Pour en savoir plus sur cet étrange meurtre déguisé en suicide, le journaliste avait consulté une diseuse de bonne aventure, une ancienne gitane connue sous le nom d'Angelina. La valeureuse cartomancienne avait affirmé que le meurtrier était le diable en personne, puis elle s'était exclamée en entrant dans une sorte de trance lyrique Je vois une autre pendaison au même endroit loin dans l'avenir. Oui, dans soixante dix ans. C'est un étranger, un Italien. Un banquier malhonnête, proche du Vatican, mais aussi de la franc-maçonnerie et de la mafia, dont le nom répond aux initiales R, C, un faux suicide. Là aussi, oui, les frères noirs ont frappé et frapperont encore. Les propos de l'épique Angelina furent rapportés par l'article du London Chronicle, et si sur le moment ils marquèrent les esprits, ils furent bien vite oubliés. Pourtant, la voyante avait vu juste. Si notre auditeur veut bien nous permettre d'insérer ici une petite digression à propos d'un événement devant se dérouler dans l'avenir par rapport à l'époque du récit, voici ce qu'il apprendra. Le vendredi 18 juin 1982, on découvrit exactement au même endroit le corps pendu de l'Italien Roberto Calvi, le dirigeant de la banque Ambrosiano dont l'actionnaire majoritaire était la Banque du Vatican. Surnommé le Banquier de Dieu, l'homme d'affaires était membre de la loge maçonnique Propaganda Douée, dite loge P2. Soupçonné de blanchir l'argent de la mafia, en attente de jugement, Roberto Calvi disparut de Rome le 10 juin pour être retrouvé huit jours plus tard, pendu. Sous le Blackfriars Bridge. Curieuse coïncidence, car en anglais, Blackfriars signifie frère noir, ce qui était précisément le nom que se donnait entre les membres de la loge P2. La police britannique conclut à un suicide, ce que réfuta la famille Calvi. Il fallut attendre 20 ans pour que fût réalisée une nouvelle expertise de médecine légale, concluant finalement à un meurtre. Plusieurs suspects furent identifiés, mais aucun ne fut véritablement inquiété.